Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que pour ceux donc qui sont retournés sur les bancs de l'école ou de la fac ou du boulot, donc euh, bah voilà, se porte au mieux possible. Alors pour cette nouvelle vidéo et sans surprise, donc après avoir vous avoir présenté donc le tuto de montage et d'assemblage du mini plat Bioman, nous allons aujourd'hui donc faire la revue et découvrir donc euh, les deux véhicules, le BioJet 1, le BioJet 2, suivi de la transformation, voir un petit peu ce que ça donne, les points positifs, les points, po les points négatifs, bref, voilà, tout ce qu'il faut pour notre plus grand plaisir. Et comme toujours, les deux trous de balle juste ici vous feront quant à eux un petit coucou en fin de vidéo. Allez à tout de suite les petits amis Et voici dès à présent donc un aperçu des deux boîtes, puisque il y a évidemment deux véhicules. Donc chaque boîte est consacrée à un véhicule. Les images sont les mêmes pour les deux. Donc nous retrouvons notre bureau Nous retrouvons notre team de biomen juste ici. Euh, on nous indique également que dans la série, euh, dans le côté donc fictif, bien entendu, euh, la hauteur du bio -robot atteindrait donc les 52 mètres de haut. Oui, rien que ça. Euh, le poids. Attention, accrochez-vous bien, 920 tonnes, voilà, qui dit mieux. Et la vitesse maximum, donc, de ces deux biojets est de Mach 3. Voilà, donc, quelque chose d'assez impressionnant. On nous indique ici, donc, que vous avez le, voilà, le numéro 1, donc, le biojet 1 et le biojet 2. Voilà, donc, pour les boîtes, sur les tranches latérales, nous retrouvons les mêmes photos. Donc, euh, voilà, nos biojets juste ici représenté dans leur forme vaisseau et robot au dos de la boîte rien de particulier à part des avertissements et autres précautions d'emploi et euh, sur la tranche latérale gauche on retrouve à peu près la même chose voilà donc concernant le packaging nous y retrouvons également trois notices donc une pour chaque euh, mini plat, une pour chaque maquette et puis donc la notice finale nous expliquant donc comment transformer voilà ces deux vaisseaux en bio robot Concernant les accessoires, à présent un peu chiche quand même euh, niveau contenu, euh, surtout comparé donc à la précédente revue euh, Super Mini Plat euh, du Léo pardon, donc que je vous ai présenté hein, issu de la de la série Super Sentai euh, spider qui voilà qui avait des, des des accessoires à profusion et surtout un socle. Là en termes d'accessoires, nous n'avons pas grand chose, nous avons le strict minimum, donc à savoir juste ici voilà donc euh, l'épée du bio-robot, à savoir la Soupa Mezza, voilà un petit peu. Alors chose par contre que j'apprécie euh, par rapport au, au précédent euh, Super Minipla c'est que euh, voilà Bandai s'est quand même donné la peine plutôt que de faire du plastique teinté dans la masse comme vous l'avez ici, c'est quand même donné la peine donc de faire euh, voilà un argenté un peu brossé. Donc c'est quand même plus esthétique, c'est quand même plus sympa. Euh, nous avons également bien sûr le bouclier hop là du de notre bio-robot. Nous avons donc les points classiques et voilà, deux mains également ouvertes. dont celle-ci, donc, contenant, voilà, une sorte de, voilà, une sorte de grenade. Voilà un petit peu. Donc je reviendrai dessus. Par contre, pour les points négatifs, juste après, lors de la transformation du mode robot, hein, vous serez, voilà, vous serez assez rapidement avisé. Et petite chose donc qui me qui me désole un petit peu, euh, bah, c'est qu'il n'y a pas de, de stand, il n'y a pas de support, il n'y a pas de base, il n'y a rien du tout. En fait. Bandai a préféré euh, opter pour l'option de l'achat du bio du bio dragon, voilà qui est le vaisseau euh, transporteur donc de nos deux Donc voilà pour euh, stocker donc les armes, boucliers, épées, mains et ben et puis également donc les deux jets, que ce soit en mode jet ou en mode robot, il vous fera, euh, vous faudra pardon passer forcément par la case de l'achat de ce biodragon. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, surtout qu'on ne le trouve pas partout. Euh, quand j'avais commandé euh, mon bio -robot, donc sur euh, le site hlj.com, euh, le, bio le biodragon n'était pas, euh, pas disponible, euh, il n'était même pas référencé. Donc voilà, hein, c'est un petit peu chiant parce que bah, si vous voulez avoir le, le, la totalité, il va falloir ramer un petit peu pour le biodragon, sachant qu'à mon avis, le prix ne doit pas être donné. Voilà pour ce petit aparté, et nous allons présent à présent donc pouvoir découvrir nos deux biojets et voici à présent donc un petit 360 de nos deux euh, de nos deux jets donc, donc le biojet 1 et le biojet 2 voilà de toute beauté sincèrement pour l'échelle euh, la ressemblance est frappante euh, voilà je, je, je suis vraiment très agréablement surpris alors il y a certes quelques petits reproches que l'on pourrait faire mais voilà, dans l'ensemble et globalement, donc euh, ces deux vaisseaux sont, sont hyper bien réalisés, les couleurs sont relativement fidèles, et puis donc on a quand même quelque chose de bah voilà, de, de mythique hein, pour tout fan de, de Bioman euh, que nous sommes ou que je suis en tout cas. Alors nous allons commencer donc en tout premier par le BioJet 1 piloté par Force Rouge et Force Rose. Voilà, Rien de trop négatif à dire. <coughs> Excusez-moi. On retrouve donc la bulle du cockpit translucide. On aperçoit à l'intérieur. Alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais des petits moules donc représentant euh, les deux personnages donc aux commandes du Biojet 1. Les finitions sont sont sympas, euh, rouge, noir, euh, blanc, voilà comme le le le, 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 le Jet classique. Euh, la plupart des habillages donc que ce soit ici euh, ici ici sur le dessus donc sont faits euh, de stickers voilà si vous avez regardé mon, ma vidéo donc euh, de tuto d'assemblage vous, voilà, vous aurez remarqué que euh, les stickers viennent apporter les finitions principales euh, de ce de, voilà de ces deux jets à l'arrière donc nous avons comme pour le jouet les deux points propulseurs juste ici j'aurais aimé quelques pièces en silver, c'est vrai que ce gris teinté dans la masse, c'est pas très joli. Ça fait un peu plastique chip. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est mon reproche, euh, mon reproche premier. Mais dans l'ensemble, bon, voilà, on a quand même quelque chose euh, niveau qualitatif de très appréciable. un hein, Bandai oblige, les finitions sont soignées. Voilà. Puis on a surtout quelque chose de très, euh, très ressemblant, très, très cohé cohérent. Pardon, je vais y arriver. Alors j'ai eu l'occasion de voir hein, sur certains groupes Facebook ou sur certains posts Facebook que certaines personnes étaient déçues parce que voilà c'était cheap, parce que euh, on ne pouvait pas les peindre. C'est vrai que le plastique est dans une matière assez spécifique et euh, si on veut s'engager donc à faire euh, voilà apporter des touches de peinture supplémentaires, ce sera au détriment après de la transformation, faudra le laisser en bio-robot. Hein, ces plastiques-là agrippent très mal les peintures. Donc euh, vous pouvez le faire, mais voilà. Euh, après, pour le manipuler, bah, ça vous devoir, mais bon, c'est au risque de laisser des traces de doigts ou d'effacer de, ou euh, la peinture. Ça aurait mérité un petit peu de silver, hein, c'est vrai. Mais euh, objectivement, euh, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est une maquette avant tout, une toute petite maquette. Euh, en termes de prix, moi je l'ai touché à 35 euros hors frais de port. Donc on ne peut pas dire que c'est ce soit excessif. Euh, au vu du travail fourni. Euh, des matériaux utilisés, de la transfo qui est super bien élaborée et très proche donc du, du jouet et du de la série euh, de la série pardon télévisée. Euh, je trouve que voilà, c'est voilà, faut pas se montrer trop dur, trop exigeant. Hein, c'est pas du jouet, c'est juste une petite maquette, un modèle kit. Donc voilà, faut quand même relativiser un petit peu sur les défauts. Je reviens donc sur le Biojet 1, euh, voilà, en précisant également donc que nous avons les un atterrissage rétractable juste ici alors là comparé au jouet vous serez obligé de démonter cette partie là voilà comme ceci la mettre à l'envers à l'envers et appuyer ah, ici voilà de façon à cacher les trains d'atterrissage Dans le jouet il y avait tout un système donc euh, voilà de, de, de charnières et de, et de panneaux ce n'est pas le cas mais au vu de l'échelle voilà vraiment on peut pas être on peut pas se montrer non plus trop exigeant concernant donc le Biojet 2 à présent là encore on a quelque chose de très réussi euh, mis à part donc peut-être les connectiques euh, donc pour réunir et euh, fixer, relier les, les, les deux vaisseaux entre eux. Mais bon, moi je fais comme si c'était des lance-missiles, voilà. Hein, après tout, on a toujours le cockpit avec une vitre transparente et euh, les trois personnages à l'intérieur, donc qui pilotent le Bayou Jet 2, donc à savoir Force Bleue, Force Verte et Force Jaune. Voilà. J'ai oublié de monter les deux petites ailettes juste ici. Voilà. Je vais me flageller à coups de à coups de ronces et d'épines pour cette, pour cette mission. Alors là encore, hein, tout comme pour le premier, la plupart des détails, hein, juste ici, le Biojet 2, le, le, le numéro 2, sont bien entendu euh, des stickers. Stickers qu'il faut manipuler avec pas mal de précautions, euh, parce que les stickers sont fins, le pouvoir adhésif est très fort, donc vous n'avez en gros pas le droit à l'erreur. Hein, si vous plantez bah, vous avez une chance sur deux de le déchirer donc allez-y mono euh, faites très attention euh, voilà quant à la quant à, à la fixation euh, des autocollants là encore hein, on a quelque chose de voilà de très joli j'aime beaucoup hein, euh, avec donc ici les annotations Bandai, voilà pour certifier que c'est vraiment de l'authentique là encore des stickers hein, qui nous rappellent donc euh, le jouet et le robot nous avons également donc le plaisir d'avoir les trains d'atterrissage rétractable cette fois-ci les trois le sont voilà donc voilà en termes de gimmick c'est plutôt pas mal ça fait son taf et ça franchement le, de, de la super gueule hein, surtout pour les fans donc que nous sommes donc vraiment voilà très agréablement surpris par ce duo pour vous donner une idée de l'échelle donc bah petit comparatif tout simplement donc avec euh, le jouet d'origine euh, dans sa version standard c'est à dire que voilà il est en un seul bloc voilà un petit peu presque ça donne. Hein. Donc voilà, vous voyez, on voit que la maquette, quand même, le, le, le mini-plat est quand même bien plus imposant que la version standard. Et là encore, petit comparatif d'échelle, et surtout, pardon, <coughs> petite photo de famille, donc auprès de la version d'époque, la version DX transformable. Voilà. Donc en termes d'échelle, hein, c'est quand même sympa ce que j'aime bien avec ces mini-plats, donc outre le, le fait qu'ils soient donc très fidèles au jouets, à la série. Euh, c’est que en fait donc le prix est quand même si vous y prenez à temps bien entendu concernant les précommandes parce qu'après donc les, les prix flambent très très vite surtout sur eBay. Mais l'avantage aussi c'est que c'est un petit peu comme les, les Transformers Mini Masterpiece, c'est qu'on a la possibilité donc voilà d'avoir les vaisseaux d'époque pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir les originaux et surtout de pouvoir dans un display donc les, les disposer sans que ça prenne trop de place. Donc voilà, c'est une petite collection vraiment que, que, que j'adore, que je trouve super sympathique. En espérant euh, avoir peut-être un jour euh, euh, la version Soul of Shogoking voilà, qui viendra euh, marquer définitivement et sceller donc euh, voilà ce, ce, ce robot mythique. Donc voilà concernant les photos de famille et comparatifs je remets vite fait donc la version standard au milieu et voilà, yes. Concernant à présent donc la transformation, bah, celle-ci quand même diffère très très peu euh, du jouet euh, d'origine. donc là encore un bon point. Donc bien sûr vous rabattez le train d'atterrissage. Euh, la seule petite différence principale est pour cette partie-là où vous avez les deux voilà les deux trains d'atterrissage ici donc c'est simplement du part forming euh, contrairement au jouet d'origine hein, on avait un système de panneaux euh, réversibles voilà donc pour la transformation bien c'est tout simple vous allez tout d'abord venir écarter légèrement ces deux parties-là de façon à les dissocier donc de l'ensemble du jet et ensuite donc vous pouvez à présent, hop, déployer ce qui va former la main et le bras. Même chose ici. Tac. On fait une petite rotation d'un quart de tour pour avoir les articulations du coude dans l'axe. Idem ici. Voilà. Et ensuite, vous prenez cette partie là de l'avant du cockpit et tout simplement vous la faites basculer ainsi voilà et donc nous avons à présent donc la partie supérieure du robot je mets celle-ci de côté nous pouvons passer à présent donc au biojet 2 qui pour le coup propose quelques étapes de transformation supplémentaires par rapport à la version originale. Donc là encore, l'effort est à souligner. Donc tout d'abord, bien entendu, nous rentrons les trains d'atterrissage comme ceci. Ensuite, vous pouvez rabattre les ailerons arrière latéraux comme ceci. Vous pouvez également en profiter. Vous avez une double charnière juste ici pour venir, hop, rentrer et placer et camoufler les ailes latérales. Comme ceci. Voilà, jusque là. Rien de trop compliqué. Ensuite, petite chose, voilà, qui diffère du jouet original. Vous avez cette pièce-là. Vous la sortez comme ceci. Vous avez une glissière qui vous permet donc de faire coulisser le tout vers le bas. Vous voyez, on a l'ergot. Hein, si vous regardez bien, on a l'ergot ici qui relie les deux ailes. Là, du coup. Cette partie-là se trouve à présent en bas. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à tout simplement venir rabattre cette partie-là et la camoufler. Voilà, ça, je trouve ça super ingénieux. Même chose ici. On glisse vers le bas. Voilà. Et quand c'est fait, on rabat le tout et on vient dissimuler cette partie-là. Ça, j'adore. Voilà, c'est le genre d'ingénierie pour une simple maquette euh, que, 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 que je trouve tout simplement, tout simplement fun. Voilà, on ne va pas tergiverser. Ensuite, vous avez donc les deux ergots ici en blanc vous venez tirer de façon à déloquer l'ensemble. Voilà. Ensuite, vous étirez complètement les jambes comme ceci. Vous en profitez à présent pour tirer également sur ces pièces-là, et si on y va trop fort, ça se déloque. Sur ces pièces-là, qui vont, quant à elles, donc former respectivement les pieds. Idem ici. Voilà, on tire, on déploie comme ceci. Voilà, jusque-là. Rien de bien sorcier. Ensuite, vous faites une rotation d'un quart de tour de la jambe comme ceci, Alors plutôt dans l'autre sens, voilà, ce sera mieux. Et même chose ici. Quand c'est bon, vous venez aligner les pieds. Une fois ces derniers alignés, vous pouvez les rentrer à l'intérieur et même chose ici vous avez ces parties là voilà vous les rentrez comme ceci et nous avons à présent le bas voilà et regardez hein, comme tout est bien comme tout est bien compact moi je trouve ça vraiment super propre je rappelle que c'est vraiment une petite maquette et ensuite, chose un peu plus compliquée, vous allez venir sortir juste ici, vous avez deux petites tiges de fixation. Alors là, pour les gros doigts comme moi, c'est tout sauf évident. Donc moi, je vais m'aider de cette petite chose là. Vous voyez, vous la sortez pour avoir la connectique. Voilà. Juste comme ceci. Vous faites pareil avec cette pièce là. Hop. Vous sortez ça comme ceci. Voilà. Et quand c'est fait, donc, plus qu'à réunir les deux. Alors, je vais diminuer l'image, remonter un petit peu la caméra rouge. Plus qu'à faire, donc, la fusion. Bio collection! Et hop, vous faites comme ceci. Et vous pressez bien de façon à ce que le tout soit bien loqué. Et voilà qui est fait. Et une fois connecté, vous hein, voyez, ça tient bien. Pas de soucis à ce niveau-là. Et voilà. Ladies and gentlemen, notre bio-robot transformé. Ouh, c'est juste une beauté. On en profite tout de suite pour faire un petit zoom du visage qui est absolument splendide. Voilà. C'est voilà, c'est hyper fidèle. Nous retrouvons donc en plus des couleurs euh, argentées euh, brillantes, voilà, que ce soit donc pour le contour euh, de l'avant du casque comme pour le visage, la bouche aussi, hein, bien voilà, bien neutre, bien stoïque. Euh, les yeux sont en doré euh, argenté du plus bel effet. Et regardez-moi un petit peu ces voilà ces finitions sur le côté. Hein, de, la maquette étant hyper petite, hein, vous voyez, je mets mon dos à côté hein, c'est vraiment tout petit et on a donc une foultitude de détails voilà ça c'est vraiment super l'avantage aussi c'est que la tête était déjà prépeinte, hein, donc il n'y a pas de stickers à poser ça fout pas le camp, ça tient bien ça c'est vraiment c'est vraiment super jouissif donc vraiment voilà la gueule est mortelle hein, la tronche c'est voilà c'est tout à fait c'est tout à fait donc notre bio robot. Voilà un petit peu. Euh, concernant les détails, bon bah c'est vrai que vous avez à la fois donc des plastiques prépeints, ça c'est cool, et puis vous avez aussi donc des stickers bien entendu hein, qui viennent euh, voilà se positionner un petit peu partout. J'aurais aimé avoir donc les jambes blanches comme pour le jouet, ou alors en chrome. On a ce plastique gris teinté dans la masse, quand hein, je le répète, qui est pas super joli, malheureusement qu'on trouve sur quasiment tous les les super mini places. Cette partie-là, j'aurais bien aimé l'avoir aussi en chrome. Hein, les, petits, voilà, les petits réacteurs mais bon voilà on va pas chipoter encore hein, je le répète hein, c'est une maquette à 35 balles on peut pas lui demander l'impossible déjà hein, pour le prix vous pouvez voir que voilà le travail le soin apporté est quand même voilà remarquable et autre chose donc super agréable par rapport donc euh, au jouet original, c'est que nous avons ici donc un nombre de, de points d'articulation vraiment très important. Ça c'est quelque chose que j'adore. Euh, on peut se faire plaisir. Vous allez voir tout de suite. Donc la tête, vous pouvez donc la lever, la baisser, l'incliner. Vous pouvez la pivoter à 360. Pour le bras, pareil. Regardez la pub d'ov. Ça gère super bien la pose et en plus on a quelque chose de très propre ici concernant l'articulation. Voilà. Nous avons une rotation intégrale du bras. L'encore c'est cool. Nous avons une articulation du coude à 90 degrés. C'est propre, c'est correct. Ça fait son taf. On n'en demande pas plus. Vous avez également donc, une rotation du, du bras comme ceci. Et vous avez le point. Alors, j'y vais doucement et je vous expliquerai après pourquoi. Vous avez le point, donc, que vous pouvez également pivoter à 360. Et voilà. À positionner de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi je veux dire, je vous dis de faire attention Parce que le problème, euh, des ball joints au niveau des points et surtout celui-ci, c'est qu'ils sont super serrés. Donc, il faut forcer à mort pour les rentrer. Sachant que lorsque j'ai voulu, voilà, m'amuser, à positionner cette main là donc à la place du point fermé il a fallu que je tire comme un malade pour pouvoir le décrocher ce qui veut dire ce qui veut dire tout simplement bah, qu'en tirant comme un malade voilà j'ai cassé le ball joint voilà ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fait chier faire des ball joints aussi serrés sachant que les mains sont interchangeables bah c'est un petit peu la loose quoi parce que du coup euh, bah, on se retrouve avec voilà on se retrouve avec un point qui est qui est, qui, est, qui est niqué alors bon moi j'ai mis de la pâte à fixe hein, euh, euh, certains auront, trouveront peut-être un autre système mais mais voilà ça c'est vraiment le gros bémol voilà c'est autant les deux points négatifs que je retiens surtout sont euh, les stickers qui sont super délicats à positionner et si on se plante il y a une chance sur deux euh, de le déchirer et donc les ball joints des points qui sont extrêmement euh, serrés et du coup donc à force de les pivoter, à force de les articuler ou en voulant changer de main, bah voilà, ça vous reste dans les mains, ça vous reste dans les pattes. Ça vraiment, je suis un peu déçu. Ensuite, toujours dans les points d'articulation, nous avons une rotation intégrale du bassin. C'est hyper beau. Nous avons également le grand écart JCVD. Regardez, vous soulevez tout simplement les petites jupettes. Latéral, juste ici, comme ceci et comme cela. Et voilà, notre Jean-Claude Damme, dans un grand écart facial, voilà, de toute beauté. Rien à dire, ça c'est très bien foutu. Nous avons également, voilà, le grand écart dans ce sens-là. Grand écart latéral. Et notez au passage hein, que vous avez également donc les petites jupettes à l'avant. Voilà, qui peuvent se relever. Et regardez, voilà ça, hein, en termes d'articulation, il n'a pas à rougir par rapport à un, un Sol of Shogoking. Bien plus articulé, évidemment, donc, que euh, l'original. Donc voilà. Ça reste du mini plat, mais là encore, le travail est vraiment bien pensé et soigné. Nous avons une rotation intégrale de la jambe une articulation du genou regardez à plus de 90 degrés si c'est pas beau et là encore nous avons la rotule qui est très bien pensée c'est pas voilà ça fait pas quelque chose de moche c'est assez cohérent et puis donc nous avons le pied que nous pouvons donc incliner de l'intérieur comme ceci et également donc de haut en bas bref vous l'aurez compris au point au niveau des articulations euh, bah, il n'a pas, voilà, il est simplement sensationnel, regardez, quelque chose que j'ai obligé de vous montrer, mais on a aussi un joint papillon, voilà, qui permet d'avancer les points, bref, vous avez une multitude de poses, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, euh, voilà, puissance 10, à lui donner des poses dynamiques, toutes plus belles les unes que les autres, et ça c'est excellent, j'approuve. Et petit 360 à présent donc de nos bio de notre bayo robot donc muni de son bouclier et de son épée soupa mitza Voilà et regardez en termes de pose, hein, c'est vraiment voilà propre, c'est clean, vous pouvez vraiment faire quelque chose de... Voilà. Vous pouvez vous amuser euh, euh, à lui donner vraiment une quantité de, de, de positions toutes plus belles et toutes plus réussies les unes que les autres. Hein, Regardez-moi ce charisme, cette allure, vraiment, il en jette. Euh, seul bémol, vraiment ça, j'aime pas. Hein, ça, ce putain de bol joint cassé, voilà, ça c'est ça c'est caca. Euh, donc faites bien attention, ne faites pas la même erreur que moi, vous avez une deuxième main, laissez-la de côté, vous en foutez, ça vous permettra d'éviter de péter le, la rotule, enfin le, le bol joint, et au moins d'avoir votre, votre point euh, sauvé. Voilà un petit peu hein, pour ce 360, vraiment une figurine absolument sensationnelle. Petit comparatif d'échelle donc à présent aux côtés euh, du jouet original dans sa version standard. Voilà, il n'y a pas photo. Il est toujours aussi beau, un hein, je l'adore. Mais voilà, le fait d'être en une seule pièce, euh, c'est un petit peu dommage, sachant qu'en plus le mien n'a plus ses points, ni son épée, ni son bouclier. Mais voilà, ça vous donne vraiment une, une idée donc de la taille, de la stature donc du super mini plat, hein, donc qui reste quand même tout à fait correct. Et le voici à présent donc aux côté de mon bon vieux précieux voilà euh, pièce que je rêvais d'avoir et que j'ai réussi à trouver euh, il y a quelques années à un prix défiant toute concurrence sur un vide grenier grâce à grâce à ma femme donc la fameuse version DX sur laquelle malheureusement alors autant j'ai les missiles. Mais il me manque un point que je devrais avoir euh, d'ici quelques temps, hein, qu'un qu qu ami euh, Lionel Serrault, euh, à qui je fais euh, un grand coucou au passage et que je remercie d'avance donc, à le, la, la gentillesse donc, de m'envoyer le second point, me manquera là encore donc l'épée et le bouclier. Mais là encore, vous voyez qu'en termes de taille... Euh, bah voilà euh, voilà on est dans quelque chose en termes de proportions vraiment super satisfaisante et donc voilà c'est aussi l'avantage d'être peu encombrant et quand on voit donc les articulations euh, de l'original voilà on se dit quand même que pour une simple maquette l'ingénierie vraiment euh, grâce aux technologies actuelles Permet voilà des petits de, de réaliser des petites surprises, des, voilà, des, des, des petits joyaux comme, comme celui-ci. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue consacrée au super mini plat Bioman, donc issu de la série japonaise Shodenshi Bioman. J'espère que cette revue vous a plu, vous a fait passer un beau moment, euh, fait découvrir aux uns, euh, euh, pour les uns du moins ce voilà ce, ce, ce superbe robot Emeka et pour les autres redécouvrir donc ce robot emblématique, voilà euh, qui venait bercer euh, nos heures euh, de week-end, enfin d'entrée de week-end à l'époque où il passait donc dans l'émission euh, Kaboukadin sur Canal puis par la suite donc dans Club Dorothée. Voilà donc je reviens à ce que j'ai dit, cette, euh, voilà, cette petite maquette est vraiment excellente comme euh, le sont donc euh, c est, c est, voilà, les autres maquettes de cette de cette gamme. Quelques bémols euh, quand même à, voilà, à noter. Tout d'abord donc euh, les plastiques gris, voilà, teintés dans la masse, c'est vraiment pas joli. Alors bon, que Bandai ne propose pas de chrome, je peux le comprendre. Mais au moins euh, du métal argenté brossé, enfin quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a donc sur sur la lame de l'épée, ce serait quand même beaucoup plus joli. Euh, autre bémol, les stickers, hein, les stickers qui, qui, qui tiennent bien, hein, mais qui le problème c'est que voilà ça, ça se fixe tellement bien que si jamais vous avez le malheur de vous tromper euh, dans la fixation, dans le collage, et eh ben c'est mort. Vous avez quasiment 99% de chance que le sticker se déchire ou recolle mal après. Euh, autre bémol et le dernier, je dirais. Donc voilà, les ball joints des points qui sont beaucoup trop, euh, beaucoup trop gros. Je pense que voilà, c'est ça surtout. Euh, il faut les vraiment les mettre en force, euh, sachant que normalement les mains euh, pivotent en fonction du mode robot et des modes du mode jet. Euh, forcément, on a l'utilité de, 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 de ce ball joint et puis bon bah voilà lorsque l'on veut changer de point pour mettre la main bah le tout casse voilà ça c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment mis en colère euh, voilà, soit on propose, soit on propose pas, mais si on propose, on essaie quand même de faire les choses le mieux possible. Donc voilà pour moi mes trois, mes, mes principaux, euh, principaux défauts que, que j'ai notés. Pour le reste, c'est du tout bon. Hein, vous l'avez vu, la figurine n'est pas très grande, mais quand même un petit peu plus que les standards des années 80. Elle est, voilà, articulée entièrement, vraiment des points d'articulation absolument partout ce qui peut ce qui vous permet de vous vraiment jouer avec, vous faire plaisir, à lui donner des poses euh, toutes plus dynamiques euh, les unes que les autres. La transformation très fidèle euh, au bioman d'origine, ça, ça aussi c'est un bon point. Le faible encombrement, bref, voilà pour tout fan de Tokusatsu et surtout donc de la série Bioman et de robots en général, vous y trouverez très certainement votre compte. C'est fun à monter, ça fait du bien, euh, pas besoin de colle, donc ça aussi c'est chouette. Hein, c'est vraiment voilà de la maquette qui se clipse, l'ingénierie est vraiment est vraiment à la pointe, de très gros efforts d'ingénierie faits pour réaliser ce, ce genre de maquette. Bref voilà pour moi, c'est tout simplement du plaisir. faites bien attention quand même au point négatif que je vous ai évoqué. Euh, vous êtes avertis. voilà euh, que vous dire de plus. bah merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus. voilà qui vont venir accompagner cette revue euh, et euh, pour moi, en tout cas, me faire extrêmement plaisir. voilà, c'est voilà, toujours pour moi une récompense et une preuve aussi que vous avez, si ce n'est aimé, au moins apprécié. donc, euh, la vidéo. Euh, un petit coucou de bienvenue comme toujours donc aux nouveaux abonnés nous avons atteint donc le cap des 1460 abonnés voilà en nous approchons tout doucement des 1500 c'est super sympa donc merci encore à vous et à votre confiance et aussi donc bien entendu les traditionnels remerciements et bisous euh, aux plus anciens abonnés voilà toujours là fidèle au poste je vous embrasse. On se retrouve quant à nous donc fin de semaine pour une une vidéo. Donc je ne sais pas encore ce que ce sera. Ce sera la surprise du coup. Mais voilà, il y aura bien évidemment une vidéo. Donc d'ici là, bonne semaine, plein de courage à vous. Et puis et puis et puis quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, ciao. Oui, dans ta face Et dans tes peurs De blaireaux venus d'ailleurs se transforme en casse-bue en géant Oh mini 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 moi Te voilà Euh non non, ça suffit Euh non, 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 juste Je peux pas vous laisser continuer Alors, stop, basta, je me casse Allez, hop au revoir. Démerdez-vous tout seul. Et surtout, à jamais. Bah, quoi Qu'est-ce qu'on a fait Bah, ouais. On s'était juste réapproprié le générique de Michel Barbouille. Et c'est pas Barbouille, c'est Barouille. Oh, bah, euh, c'est pas grave. Allez, stop. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.